On est bon là? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, ça enregistre pas ton truc. Oh, il recule. Eh, salut les amis! Oui, j'ai vu le voyant allumé. Je sais que vous êtes là. Donc 19h, 19h. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nouveauté? Non. Shmup? Bah oui, forcément. On a quand même notre encyclopédie à avancer. Et il se trouve que je suis tombé sur un jeu où en fait je vais juste vous préconiser une chose, c'est ne faites pas comme moi. N'abordez pas ce jeu tard la nuit. Genre, il va vous casser les yeux. Et c'est dommage parce que c'est un très très bon jeu. De quoi je parle? Je parle de Samurai Aces. C'est un shmup de 1993 fait par Psycho. Et en général, ben, cette boîte a tendance à sortir du shmup plus qu'intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir les images? Ce serait peut-être bien. Donc voilà l'engin, bien entendu c'est un vertical, ça la boîte n'a... C'est... Psycho c'est vertical quoi, y a pas de choix. Samurai Aces. Et en fait le jeu est vachement plus subtil qu'il le laisse paraître. Et je vais vous expliquer pourquoi, juste en faisant deux parties. Donc que du classique, hein. Le vaisseau, la bombasse. Sois beau, esquive et tais-toi. Ou queen un peu comme moi je fais. Donc tu as Ginette, tu as Jean-Paul. Et voilà. Alors, pourquoi je vous ai dit, si vous abordez ce jeu, abordez-le pas tard le soir. Bah, vous avez vu la vivacité des boulettes? Oui. Genre moi là je suis à 3,5 de tension, donc ça va être un poil tendu, je pense. Alors, je sais pas aussi, on va pouvoir le voir sur la démo. Je vais essayer de vous expliquer avant. C'est qu'en fait, la subtilité du jeu, sortie de son gameplay qui est assez speed et qui est vachement rigolo, du coup, son thème aussi qui est marrant. Bah, en fait, sortie de ça, c'est selon le vaisseau que vous allez sélectionner en début de niveau, vous allez vous balader dans un scénario propre à ce vaisseau. Et oui, les tableaux ne sont pas les mêmes selon les vaisseaux. J'ai assez dit mon vaisseau ou ça va aller? Ok. Un X-Wing, ok, carrément. Pff, tranquille. Peur de rien. Ah, on y va? Oui, non, mais maison. J'ai dit que je mettais doucement les crédits pour faire durer les streams. Oui, mais ça, c'est un bon jeu, ça, enfin, madame. Donc, naïvement, on va y aller avec Jane, de pas la jungle. Bah non, ce sont les jauges qui le sont. Ça, les trois qui suivent au fond doivent se poiler. Arrêtez de rigoler, je vois. Ah, du réflexe, il te faudra. Du réflexe, le truc que je n'ai pas d'ailleurs. Oui, je vais être obligé de chantonner pour forcer mon cerveau à adopter un petit rythme. Alors, du coup, c'est speed, mais ça a bien vieilli. La pattern affolante qui va bien avec. Mais bon, là, il est en mode gentil. Je sens que ça va pas durer. Ça reste carré, hein, du bon gros pixel carré, mais c'est tellement joli, c'est tellement bien assorti. Regardez-moi ça, c'est limite camailleux sur le fond, quoi. Donc voilà, et ça reste lisible. Donc le truc il est terrible. Oui, j'arrive à parler en même temps, je sais pas pourquoi. J'étais en train de penser très fort, pas par derrière. Oui, parce que je ne voulais absolument pas. Piou, piou, piou. Oui, répond une tortue, ok, c'est normal. Tout va bien. Elle est presque morte. On y croit. Regarde, elle va se rendre. J'aurais dû bomber, tiens. J'aurais dû faire le cake. Oh, ce tir de merde. Oui, je vais chouiner un peu là. Donne-moi mon buns. C'est bien hein, les silences des fois. Mais ça ne dure jamais dans les chemins. Oui, ce bruit d'explosion qui nous manque chroniquement. D'ailleurs, je pense que je vais, si on est encore dans les années 80, je ferai des cassettes d'explosions que je vendrai aux fans de shmup. Comment ça, je dis n'importe quoi. Oui, bah je connais pas le tableau, donc j'essaie de me donner du courage. Il y a des maisons explosées, c'est bizarre.
Oh putain, mais tire pas à cette vitesse, toi t'es fou. Non, tu as le regard fou, tu as le regard fou. Toi tu arrêtes. Voilà. Voilà. Pourquoi je parle aux ennemis? C'est pareil pour me donner du courage, je crois. Parce que niveau crédibilité, c'est pas large. Vous voyez, fin. Bah c'est encore plus fin. Et ouais. D'accord. Admettons, hein, moi je suis plus à ça près maintenant. J'ai déjà vu des trucs pires. J'ai déjà vu des trucs moins pires. Aïe! Pas les affaires, on avait dit. Oh ce pattern de merde. Oh secours. Donne-moi ce bonus. Ou je t'arrose de pétales. Enfin, fais-moi le malin quand on s'est fait pétaler dessus. Et voilà. Alors, peut-être qu'il n'est pas si dur que ça. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que on avance dans le jeu pour voir si, comme je dis d'habitude, au troisième niveau, il révèle sa vraie nature en commençant à balancer un peu du gros, comme on dit. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore queené. Je me suis un peu plaint, mais c'était surtout moi qui faisais des fausses manips. Il n'y a pas de difficulté flagrante pour l'instant, quoi. Si on gère correctement ce qui arrive sur l'écran. Tranquille, Bill. Cool, Raoul. Non, je ne ferai pas relax. C'est hors question. Je ne suis pas relax de toute manière. Ce serait simulé. Sa mère. Ah, celui-là, il venait du fond du cœur, quoi. Parce que j'avais envie de le passer. Il était joli, ce pattern. Ah, greux. Je suis greux, je suis greux, je suis greux. Ah, mais donne-moi cette bombasse, toi. Je suis greux. Ah! Oui, mon cerveau était en train de réfléchir entre gauche et droite, et ça lui a pris un peu de temps, apparemment. Ah, mais faut pas s'énerver comme ça, monsieur. C'est le début du calvaire. Ah, bah, oui, j'osais pas bomber parce que je voulais piger. Bah oui. Alors, c'est pas une excuse, hein, ça, c'est vrai. C'est souvent, je me retiens de bomber exprès parce que, vu que ce sont mes premiers runs dans le jeu, j'aime bien piger quand même. Pour essayer d'éviter de refaire la même connerie en boucle. Quoi. Et oui. J'aurais dû bomber. Quelle erreur fatidique. Et donne-moi ça. Bon, Jane, on s'entend pas. Je vais mourir, puis je vais essayer un autre perso. Pour démontrer ma théorie du tableau qui change selon le vaisseau là. Donc je pense que vous vous rappelez même plus ce qu'il y avait comme premier boss. En fait, c'est surtout que les tableaux changent d'ordre et de difficulté. Comment ça, j'essaie de rattraper une grosse connerie? Pas du tout, hein, c'est vrai. Il y a vraiment une différence. Bah sinon, ça servirait à quoi de vous faire des vaisseaux différents, hein, gars? Tu m'expliques? Oui, je suis l'homme qui ratait tous les bonus. Ils se sont obligés de me renvoyer tellement je fais pitié. Mais arrête de. C'est vrai que j'oublie que j'ai pas de bouton pour ralentir mes déplacements. Et du coup, c'est un peu vif. Donc, je me déplace avant le moment où je devrais le faire. Eh bien, on va se laisser mourir et on relance une partie avec un autre bonhomme. Vous m'achetez? Allez, c'est parti. 8 minutes. Bon, on a déjà bien fait ça. Oui, non. Non, non, on s'en va. Donc il faut que je m'auto-batte, tiens, 224 000. J'ai pas noté en combien de crédits, zut. Oui, on peut y aller là. Chouing. Alors, on change. Et je sais pas si vous vous rappelez comment ça a démarré tout à l'heure, mais c'est pas le même niveau. Et oui, vous pouvez revenir en arrière sur le stream, bande de vénères. Moi, c'est ce que je ferais à chaque fois que je me plante. Je gagnerais en crédibilité. Soudainement. Bon, ce tir m'a l'air plus sympa déjà avec les trucs auto-guidés là, qui vont sur les cibles. Ah, putain, le con. Vif, 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 vif. Il est très vif, le bougre.
Oui, casse-toi, pauvre lâche. Donc oui, le niveau, il y avait des maisons, on l'a eu en deuxième ou en troisième tout à l'heure. Bah là, on l'a direct. D'ailleurs, j'aurais dû me rappeler pour la vivacité du Lascar. Et voilà, c'est pas du tout le même ordre. Est-ce que ça va être les mêmes patterns? Alors, je m'en rappelle plus exactement. Oui, bon, oui, c'est pareil. À part que... Ah non. Si, si. C'est après qu'ils vont envoyer des boules vertes. Hop. T'es bien énervé, toi. Bah, vous voyez, je mémorise un peu quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, le jeu est très très bien. Je vous le recommande. Il est validé et... Je sais pas si on se fait le run en entier. J'ai pas envie de vous le spoiler. Parce qu'il a l'air joli. De niveau en niveau, ça se renouvelle en plus. C'est vraiment sympa. Il manque juste un tir chargé. Et je serai aux anges. Comment ça? Ça serait trop facile. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais... Je suis faible. Hop là. Oh. Putain, j'ai dû la déclencher à temps, cette bombasse. Ouais, un petit tir chargé, ça aurait fait plaisir quand même. Quitte à rajouter des boulettes pour les ennemis, je sais pas. Alors, il est rapide, reste au milieu. Non, fallait pas rester au milieu. Oh, le fumier, il est pas rapide, c'est Joe l'éclair. Vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir. Je suis à poil. J'ai le bonus, il veut pas descendre. Bonus! Le bonus, il est devant moi, puis je vois son doigt, vous savez, le doigt du milieu qui est redressé. Et je trouve pas ça très drôle en fait. Bah ouais, parce qu'on aurait pu être super potes, quoi. Puis j'avais un peu besoin de lui. I need you, where are you? When I need you, I can't forget about you. Aïe aïe aïe. Oh, le temps qu'il tire une bombe, il en faut pour 2 heures. L'autre, il me crache des pop-corn. C'est peut-être de là que ça vient l'expression. Non, c'est des blés soufflés, ça. Quoi, le pop-corn ne serait pas un blé soufflé? Je suis pas, moi je suis pas spécialiste en pop-corn. Je joue des shmups, j'ai autre chose à foutre. Oui, parfaite mauvaise foi. Parce que lui, là, je vous dis pas comme je me concentre quand même pour essayer de décoder en temps réel les patterns. Et la bombe met 2 heures à se déclencher, quoi. Genre, quand tu veux bomber, tu comptes 1 dans ta tête. Et je suis pas très d'accord pour cette méthode de lancement, quoi. Oui, alors c'est le côté spécialiste un peu qui parle, mais je peux me permettre, parce que je vous rappelle les cocos que j'ai plus de 300 shmups dans les dents. Allez en dire autant. Hein? 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 Alors, c'est qui le boss? Ah, regarde, c'est moi. Bon, on va essayer d'avancer sur celui-là. Allez. Même si je me suis lamentablement quiché et que je repars avec un tir ridicule. Ça tire vite quand même, faut que je m'en souvienne. Je suis à 2 de tension. Lui, le jeu est à sa totale pleine efficacité niveau vitesse. Sur le côté ou... Ta mère. Je me suis fait avoir comme un bleu, quoi. Non, sur le côté. Non, casse-toi, ça m'arrange. Bonjour, tu meurs? Merci. C'est gentil de mourir des fois. Vous niquez tous ces trucs, c'est un calvaire. Non, 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 tu ne t'installes pas, toi. C'est hors de question, non, 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 j'ai vu le bordel que tu vas me mettre. Alors, les patterns sont très, très rigolos parce qu'on les retrouve dans des shmups beaucoup plus récents, si je ne m'abuse. Enfin, il y en a certains qu'on retrouve bien. C'est vrai que ça se détruit, ça, les graineries, il faut que j'y pense à chaque fois. Tu cancels les graineries. On avait dit qu'on pouvait rester copains. Enfin, je sais pas toi, mais moi oui, parce que ça mange. J'ai pas de bombe. Si. Putain, mais 2 heures. Je la mets maintenant, comme ça c'est fait. Parce que autant que je fasse sans bombe, ça m'arrange, quoi. Parce que là, c'est juste un calvaire de devoir compter un avant de devoir de vouloir l'utiliser. Je dois anticiper une seconde dans ma tête. Ça va bien se passer. Regarde le truc. Regarde le truc. Pff, non, regarde-le pas trop, quoi. Salut. Je reprends un peu des... Hein? Parce que quand même, on va pas déconner. Ouh, le ramage. Ça sent le piégeage, vu le ramage. Oui, oui.
Ne pas se laisser déborder, sinon ça va être vite le bordel. Moi, sa mère. Tout ça pour libérer un bonus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? On m'aurait menti. On nous polie. Oui, oui, oui. Ah, j'en gère pas large, là. Non, je vais pas me plaindre. Mais j'avais une bonne excuse. La vitesse de mon vaisseau. Et oui. Le ratio tir des ennemis, vitesse du vaisseau. Alors, faudra que je vérifie un moment. Mais il me semble que c'est identique. Hein. Et du coup, pour s'en échapper, si vous avez pris la mauvaise trajectoire dès le démarrage qui est en haut de l'écran, bah, c'est même pas la peine d'y penser. Quoi. Donc, sur celui-là, je vais être un peu méchant quand même. Et c'est pour ça qu'il n'ira pas dans le top, tiens, pour la peine. C'est qu'il faut de la mémoire. Et vous savez, pour moi, un shmup qui demande trop de mémoire, c'est beaucoup moins drôle, quoi. Parce que c'est de la répétition plus que du skill. En tout cas, il est très joli quand même. Oui, je balance mes bombes avant parce que je vais jamais avoir le temps de m'en servir. Qu'est-ce que tu veux anticiper sur ça là? Vas-y, explique-moi. Et oui, t'es mort et c'est chouette. Et j'ai mon bonus, c'est barré, c'est sympa. Je me vengerai sur le prochain tableau, tiens. Oh, on va le finir, je pense. Quitte à mettre beaucoup de crédit, je pense aussi. Mais voilà, il est agréable. Il est super joué. Je me ferai des parties hors connexion en douce. Histoire de m'amuser un peu. Parce que en plus les graphismes sont vraiment super. Faut aimer les trucs un peu carrés. Mais ça a de la gueule. C'est cohérent leur petit délire là qu'ils ont fait à la samouraï yaourtière, etc. Et ornithorynque. Hop, pourquoi ornithorynque, je ne sais pas. C'est la voix du mal. Quoi, tu veux de l'argent encore? Machine diabolique. Hop, cadeau. Putain, le temps qu'elle parte, cette bombe. Laisse tomber. Les gens méchants penseraient à la SNCF. Par rapport à l'usage de cette bombe. Je n'en dis pas plus. Parce que moi, je ne suis pas un genre méchant. J'apprends vite, crétin. Sauf que j'oublie tout le temps que la méga bombe elle met 2 heures à partir. Oh putain. Dégage-moi, c'est bon, j'en ai pas besoin. Dégage-les, allez, hop, fous le camp. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà, je vais jouer voilà, normalement, comme un homme normal qui se jette sous les tirs. J'ai cru qu'il était parti. Mais il en met d'autres. Non, mais non. Oui, on se reverra, bande de lâches. Ça sent pas le sale coup, hein. Pas du tout, regardez-moi ça. Et lui, il va me faire que des bisous. Parce que c'est un bisounours. Les gens ont pas l'habitude, parce que il voit le truc, il croit, il est méchant, mais regarde. Tu vois, si tu lui parles gentiment. Il tire tout à côté. Comment ça, j'emmène pas large toujours? Bah non, toujours pas, mais j'y crois, moi. Viens, hop, à côté. Il fait exprès, faut juste lui parler gentil. Oui, ma méga bombe qui est partie une seconde après, encore. Encore. Putain. Moi, c'est ça qui me bloque dans ce jeu, c'est cette histoire de bombe, quoi. C'est... Faut s'habituer, je pense. Parce que, oui, c'est une anticipation, c'est complètement débile. Ça gâche complètement le jeu. Tiens, repense-en une. Invite des potes, si tu veux. Mais il reste encore un tableau. J'ose pas imaginer le boss. Alors là, les gens puristes, coupez le stream. Parce que ça va être d'un ridicule, je pense. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, je vous le dis. Il me reste 6 crédits pour faire un massacre. Allez, je tire mes bombes d'abord. Hein, comme ça, j'y pense plus. Après, je fais comme si j'en avais pas. C'est beaucoup plus rassurant comme mode. C'est étrange tout ces... Qu'est-ce que c'est ça? Ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas. Tu n'as pas envie de tirer. Tu tires comment? Laser. En étoile. Oh, voilà, ça va pour l'instant. Pour l'instant, on peut.
Mais tu vas pas te contenter ça, dis-moi. Zamat. Attends, t'énerve pas, je sais. Voilà. Laisse pas ramasser des bonus. Bonus. Ah, mais le revoilà, lui. Putain, non. On prévient quand on rentre. Il y a une sonnette, hein. C'est pas pour rien. Ah, j'ai tiré ma bombe hier. Et avant-hier, j'en avais tiré une autre, mais j'en ai plus. Regardez-moi cette exécution dans les règles de l'art. Et donc ce n'était pas ça la vraie fin. Ok. Mais lui, il a l'air cool, regarde, il est en pleine méditation. Connard. J'étais obligé de le sortir celui-là. Parce que j'étais dedans là. Mais il y en a un qui m'a cassé le groupe. Lui à gauche là. J'ai son nom. Et j'ai commencé à tirer ma bombe, je dis. Regardez, on est samedi, elle est toujours pas arrivée. Ah, je déteste la bombe dans ce jeu. C'est un non-sens. Tiens, une bombe. Non, mais je dégage vraiment toutes mes bombes d'abord. Parce que je veux pas en entendre parler du reste de la partie. Quoi. Voilà, c'est bon, là on est en train. On va discuter. Piu piu piu, piu piu piu. Ouais, bon, ce n'est pas été bon. Oh putain, je suis obligé de me débarrasser des bombes. Désolé, mec. Désolé, man. Je voulais pas. Attends, je ramasse ça pour faire bien. Bon, vous avez juste maîtrise. Il reste encore un tableau. Comment ça? Tu as commencé, tu finis. Vous êtes sûr? Mais vous allez voir la fin, ça va vous gâcher le plaisir. Comment ça? On sent pas beaucoup le plaisir. Je vous garantis que si. C'est juste que c'est mon premier run. Du coup, je me prends des branlées et j'ai ma fierté comme tout le monde. Oh! Non, mauvais endroit. Oui, je l'ai posée hier, cette bombe. Celle-là aussi, d'ailleurs. Et celle-là encore, tiens. Ça me débarrasse. Ça faisait du poids dans la soute. J'avançais moins bien, regarde. Là, j'ai beaucoup mieux. Ah, mais c'est The Boss. Bruce Springsteen sort de ce corps. Eh oui, c'est Bruce. Comment ça, vous entendez couiner le pad? Bah oui, c'est un peu normal. Regarde comme il est énervé, lui. Le coquinou. Et il joue du... Il jouait de cet instrument australien. Du didgeridoo. J'aurais dû le laisser vivre plus longtemps. Et tu pourras inviter le boss d'avant? Oh, que t'es laid. Que tu vas faire mal. Non, non, j'avais tiré une bombe hier. Iche. Lui, ça va être tout à la bombe, je pense, parce que c'est... J'ai pas envie d'être sympa. Hein. Le fair play, il n'y en a pas en face. Pourquoi j'en montrerai? Hein, vous m'expliquez? Bonjour. Bonjour. Bonne jour. Et bonne jour encore. Il n'y en a plus. Ok. Bon, moi c'est fait. Maintenant je sais que je peux compter sur moi. Merde. C'est reparti. On fait escalader des bombes. Oh non, pas eu le temps. C'est dommage quand même. Oui, tu n'es pas intéressant dans ces circonstances, mon ami. Je suis désolé, j'ai vraiment fait ça à la sagouin. C'est pas fini, youpi. Je vais me prendre une salade de boulettes, je sens. Ça va pas de... Je pensais que tu me fonces dessus, toi, je te sens bien faire ça. Ah, tu es colère, hein, mais c'est pas fini. C'est quoi ce pattern qui va me faire, ce con? Fleu, il a fait fleu. Bah oui, ça tire à cette vitesse. Hein. Est-ce que ce serait l'émulation qui fait un peu des siennes? Je saurais pas dire, faudrait demander à un mec qui l'a fait réellement. Je mets mes serpillères, hein, bouge pas, pour ramasser mes bonus, parce que t'as pas trop envie de m'autoriser à ramasser mes bonus. Et je pense que j'en ai besoin. Tu es sûr que tu es fini? Pourvu qu'il reste un tableau. Non, beau travail. Et oui. Tu peux rentrer? Oh, c'est tellement vénal. Regardez-moi ça, un enfant heureux qui avait fait ça uniquement pour l'argent. Ça, c'est l'argent que tous les joueurs ont mis dans la borne. Et on fait un deuxième loop. Youh! C'est beaucoup plus facile. Ça va moins vite. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Guy, on m'a cassé mes lunettes. Je ne déconne pas. Ils sont venus, ils ont sauté dessus à pieds joints. Reste pas au milieu.
Merde, c'est nulle part. Je vais mourir, je vais mourir. Je vais pas faire le deuxième loop. Non, je n'ai pas signé pour ça. Comment ça, tu bouges pas, tu restes au milieu, ça marche. Et bah, tu vas voir, il y a un moment, ça va plus marcher. Je te le dis, bah, on dirait peut-être. Je suis pas très, très optimiste hein, comme caractère. Aïe, aïe. Pourquoi moi, mon vaisseau, il peut pas aller aussi vite? Je pose naïvement la question. Hein, parce que je sais pas si vous voyez les ennemis en face, la vitesse où ils vont, leurs boulettes, et moi, avec mon tracteur. Parce que là, oui, c'est bien ça. Nous avons changé de titre et nous sommes passés sur Tractor Simulator 2018. Et personne ne s'est rendu compte de la transition. Ah, là, 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 là. Bon, en tout cas, il m'aura foutu la patate ce jeu. J'étais en train de m'endormir, vous avez vu comment j'ai commencé le stream, j'étais à 3,5 de tension. Bon, là, le problème, c'est que je dois être un petit peu au-dessus de 13. Je sais pas si c'est très bon. Merci, Psycho. Merci, Samurai Aces, un titre méconnu de 93 que vous avez vu, et qui est franchement fréquentable. Donc, oui, sélectionné. Je vous laisse avec les streams habituels, le généraliste, celui des shmups, et comme je suis pas de bonne humeur, vous aurez pas de troisième stream. Oui, il est taquin des fois, ciao.